Hello tout le monde! Ça y est, on a passé le cap des 2 ans! Wouhou! Et ça va être l'heure du bilan! Alors, mon net à peser pour 2022... On va parler du bilan de Timecut. Pour ceux qui suivent la chaîne, il y a eu pas mal d'évolutions cette année. J'ai testé énormément de choses et j'ai adoré faire tout ça. Nangag Hebdo, Tribulation Nocturne, les prix Ig Nobel, un challenge technique. J'ai fait un mini-buzz sur TikTok, 12 000 abonnés quand même, des vlogs vacances à vélo, des vidéos facecam, sans oublier les jeux vidéo bien sûr. J'ai l'impression d'avoir fait une version accélérée des 10 dernières années de YouTube. Et j'ai découvert Twitch! Et quelle belle découverte! En ce moment, je stream de 20h à minuit 5 jours par semaine. Maintenant, parlons un peu chiffres. L'année dernière, la chaîne avait fait 1000 vues à son premier anniversaire. Et roulement de tambour! Cette année, la chaîne a généré 26 000 vues! Ça donne un total de 27 000. Waouh! Déjà, on va pas se mentir, c'est en grande partie dû à une de mes premières vidéos sur The Witcher, qui représente à elle seule 12 000 vues. Mais ça laisse quand même 15 000 vues qui se sont partagées dans toutes les autres vidéos! Et c'est une progression phénoménale! Pour Twitch, j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à la plateforme le 23 septembre dernier. Et j'adore la progression que j'ai eue sur la plateforme. On arrive bientôt aux 200 follow et il y a constamment une petite dizaine de personnes sur les lives. Mais il y a surtout ma progression personnelle. Je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai des ambitions, des projets pour les lives et surtout je kiffe! D'ailleurs, j'ai reçu ce matin mon premier paiement de Twitch! Merci beaucoup à tous mes très généreux donateurs, ils se reconnaîtront. C'est un virement de 280€ qui partira dans un gros Lego que je vais monter en live et que je vous ferai gagner sur Twitch une fois la bête terminée. Bien, maintenant que ce bilan est fait, on va quand même un peu nuancer. On est très loin du succès et de pouvoir dire « j'arrête tout et je deviens influenceur, let's go !» Mais on va pas se mentir, c'est un peu mon objectif quand même. Et maintenant, qu'est-ce que l'avenir me réserve? Déjà, j'aimerais réussir à lier mes activités Twitch et YouTube. J'ai la chaîne secondaire qui rediffuse les lives qui est en place, mais j'aimerais mettre des formats montés sur la chaîne principale. L'exercice du best-of simple, pour l'instant, ne me parle pas. J'avais fait un test sur le jeu Visage, mais... j'ai 2 types de projets qui arriveront bientôt. Déjà des montages de mon aventure sur un modpack Minecraft qui mélange le côté best of drôle et qui résume mon avancée. Ensuite, je réfléchis à des formats en voix off pour résumer ce qui s'est passé sur un live ou un événement. Les résumés de jeu ne sont bien sûr pas abandonnés. Là, j'ai quelques trucs dans ma besace qui ne demandent qu'à être faits. Allez, moi, sur ce, je me souhaite à moi-même un bon anniversaire. Si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, un follow, un like, un abonnement sur mes différents réseaux sociaux. Lâchez votre RSA sur ma page Utip. Oui, petite nouveauté, la page Utip. Et en plus, il y a un magasin dessus, c'est génial. Je vous remercie tous infiniment. Je vous fais des bises et je vous dis à la prochaine. Tchuss !